Yo les gars, c'est Bay! Comment ça va? Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une petite anecdote assez marrante. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de ma vidéo, j'ai bu involontairement. Donc en gros, les gars, j'ai bu de l'alcool sans le faire exprès. Par contre, ne vous attendez pas à ce que j'ai bu 2 litres de vodka, loin de ça. Mais vous allez voir, ça va être assez marrant, ou du moins je l'espère pour vous. Donc voilà tout. Je voulais juste passer une petite parenthèse. Sur ma dernière vidéo, les 10 choses à savoir sur Mario, où il y a eu beaucoup de likes, dont je vous en remercie beaucoup. Mais par rapport à tous ces likes, il y avait peu de commentaires. Donc les gars, je vous force pas à liker et commenter mes vidéos. Mais juste quand vous likez, donnez-moi juste votre avis ou des conseils pour m'améliorer. Mais sinon les gars, continuez comme ça. S'il y a moins de commentaires que de likes, c'est pas grave. Mais sachez qu'un petit commentaire, ça me fera toujours énormément plaisir. Donc voilà tout pour ce petit message. Donc les gars, avant de commencer le sujet, comme d'habitude, on va introduire le gameplay qui lui se passe sur Black Ops 2 en domination hardcore, où je suis muni de la M8A1, viseur laser silencieuse. Allez, j'arrête de vous embêter et on commence tout de suite, c'est parti les gars. Donc tout a commencé chez mes grands-parents, donc il faut savoir que je vais très souvent chez eux, même si en ce moment je n'y vais moins souvent. Donc quand j'y suis allé, c'était pendant la période des grandes vacances, donc avant de prendre la route. En fait je n'avais pas envie de venir comme d'habitude. Mais les gars, une fois que je suis arrivé, je ne le regrette pas du tout. Car là-bas il y a une bonne ambiance, on rigole beaucoup, je vais voir des personnes de ma famille, mes cousins, etc. Donc franchement c'est vraiment agréable une fois qu'on y est. Donc les gars, le plus chiant c'est de faire le chemin car il y a 2h40 de route. Donc voilà les gars, enfin arrivé, je dis bonjour à mes grands-parents, je leur demande si ça va, on parle un peu. Ensuite je dépose mes affaires. Donc là les gars, je vais faire une petite ellipse juste pour vous décrire un peu plus. Donc en fait mes grands-parents vivent dans la campagne et ils ont deux grandes maisons, dont la première qui est dans une ville de 200 habitants. Donc je précise que c'est une ville entièrement habitée par des vieux et il n'y a aucun jeune de mon âge. En gros je suis un peu tout seul dans la ville quand je suis chez mes grands-parents bien sûr. Donc passons à la deuxième maison qui est dans une ville assez grande qui est peuplée de 9000 habitants, ce qui est plutôt pas mal, excusez-moi, pour une ville qui est dans la campagne. Donc nous, il faut savoir que la maison est à l'arrière de la ville. Donc en gros, on est éloigné du centre-ville. Donc là les gars, on va rentrer dans la partie intéressante du sujet. Donc quand je suis chez mes grands-parents, moi je ne me tourne pas les pouces, je ne joue pas, je ne suis pas sur l'ordi ou du moins sur un écran. Donc là-bas le matin je fais du boulot et l'après-midi aussi. Donc les gars, vu que je suis quelqu'un de très serviable, je les aide énormément, donc je m'explique un peu. Donc je travaille dans le jardin, alors là-bas il y a toujours un truc à faire. Donc je tourne la pelouse, je coupe des arbres, j'aide mon grand-père à bricoler, je nettoie les murs au Karcher. Enfin je pense que vous pouvez imaginer que je fais pas mal de trucs. Donc une fois que tout ça est fait, on va dans la deuxième maison qui est la plus grande. Donc là les gars, vous pouvez même pas imaginer la taille du terrain, sachant que à côté il y a une forêt énorme qui nous appartient. Donc les gars, première journée là-bas, jetons la pelouse, donc ça m'a pris une matinée. Et en fin de matinée, ma grand-mère me dit « Ouais, t'as bien travaillé, félicitations, tu peux aller te prendre deux panachés. » Donc là il faut savoir que j'avais 10-11 ans quand cela s'est passé. Donc je vais les prendre etc. Étant donné que j'étais vraiment crevé, je me suis pressé de les boire. Mais les gars, pour être mieux, je me suis mis derrière ma maison où il y avait des escaliers. Et là il faut savoir que le matin le soleil était pile en face de moi, donc c'était vraiment agréable. Donc les gars, je bois mes deux panachés. Ensuite je rentre pour manger et après avoir fini de manger, tout simplement j'ai commencé à me remettre au travail. Là les gars, j'ai fait un autre boulot mais vraiment casse-couille. Alors je m'explique, donc entre le terrain et la forêt, il y a un fossé rempli de boue qui empêchait de faire couler l'eau du ruisseau. Donc moi ma mission entre parenthèses était de tout déboucher avec une pelle. Donc ça m'a mis pas mal de temps. Ensuite que j'ai fini ce boulot vraiment chiant, et je devais faire, je devais couper des branches dans les arbres qui étaient devant la maison. Donc là les gars, pareil, ça m'a pris aussi du temps. Je devais monter dans les arbres, je devais prendre une échelle et tout. C'était assez galère dans certains arbres. Donc pas de problème, moi je suis un petit singe, j'ai tout coupé. Donc les gars, une fois fini, pareil, je vais voir ma grand-mère. Je dis ouais, j'ai tout bien fait et tout. Elle me dit c'est parfait. Elle me demande, je lui demande si je peux reprendre du panaché et tout. Elle me fait ouais, pas de problème, va dans le frigo, serre-toi et tout. Donc là les gars, je vais dans le frigo, je l'ouvre. Et là je vois qu'il n'y en avait plus que 5. Et je me suis dit je vais en prendre 3. Comme ça il en restera 2 pour le lendemain. Donc pareil les gars, je me suis remis au même endroit. Donc là je bois la première, limite j'étais aux anges. Elle était tellement fraîche, tellement bonne. Ensuite j'entame la deuxième. Une fois que je l'ai fini. Donc là les gars, j'ai commencé à rôter mais de ouf. Je sortais des rots mais de malade. Et ensuite j'ai commencé à avoir un petit mal de ventre qui venait petit à petit, donc c'était un peu chiant. Donc là les gars, je me suis dit je vais pas boire la troisième.
Je suis resté un peu sur les escaliers, je pensais, je réfléchissais et tout. Ensuite, je me suis dit, bah allez, elle est juste à côté de moi, je vais la boire. Hop, je la prends, je la bois. Donc là, les gars, une fois que je l'ai fini, je me suis levé. Et là, les gars, j'ai senti toute l'eau de mon estomac qui bougeait, entre guillemets. Donc une fois fini tout ça, je rentre pile poil pour l'apéro. Donc on s'installe, etc. Et là, mon grand-père dit à ma grand-mère, ouais, tu peux aller me chercher une bière, s'il te plaît. Donc hop, ma grand-mère y va. Et là, on entend ma grand-mère au loin qui fait une réflexion à mon grand-père. Ouais, t'as déjà tout bu, il en reste plus beaucoup, etc. Et là, mon grand-père répond en disant, bah non, j'en ai bu qu'une, etc. Et tout. Donc là, ma grand-mère arrive et lui donne la bière. Et là, les gars, quand je regarde ce qu'a demandé mon grand-père, enfin ce qu'il avait comme bière, je me dis, mais c'est bizarre ça, c'est les miennes que ce que j'ai pris quoi. Donc là les gars, je me suis senti un peu con car si je me suis trompé, bah j'étais un peu mal. Donc là les gars, je dis à mon grand-père, ouais papy, c'est une bière que t'as et tout. Et là il me dit, oui pourquoi? Et là les gars, vous pouvez même pas imaginer comment je suis devenu tout rouge. Donc là je dis, ouais, bah c'est moi qui a bu les autres bières, je me suis trompé avec les panachés et tout. Donc là les gars, il m'a pas engueulé, on a même plutôt bien rigolé. Donc en gros, je m'étais trompé de frigo. En fait, il y avait un frigo dans le sous-sol et un dans la cuisine. Et vu que avant, j'avais l'habitude de prendre toutes les boissons gazeuses dans celui du sous-sol, je me suis pas posé de questions, je me suis dit que c'était celui-là. Mais en fait, non les gars, c'était celui qui était en haut dans la cuisine. Donc en fait les gars, j'avais pas bu du panaché, mais j'avais bu des bières Henken. Donc voilà, je me suis senti un peu con. Donc voilà, bah c'est fini pour cette petite anecdote. Donc les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi je l'ai fait avec plaisir. Avant de vous parler juste d'un petit truc, je vais quand même remercier les chaînes communautaires que j'ai mis en intro. Donc si je serai pote, je remercie beaucoup le Bon Plan du Geek, la Play Geek TV, la JCFR et la Byper Gaming TV. Voilà pour ça, donc juste je voulais vous passer un petit message. Pour toutes ces vidéos dans le genre où je raconte des petites anecdotes, sont de vraies histoires. Je dis ça car il y a 2-3 personnes sur Skype qui m'ont dit, qui m'ont plutôt demandé si c'était vrai ou faux. Donc les gars, je mets un peu les choses au clair. Pour ceux qui croiront que c'est faux ou pour ceux qui le pensent dans certaines de mes vidéos, tout est vrai. Je ne vois pas pourquoi j'inventerais des histoires comme ça. Pour moi, ça ne me rapporterait rien et j'en serais pas fier de voir une vidéo alors que c'est faux. Donc toutes ces petites anecdotes sont vraies de vraies. Donc voilà, voilà pour ça. Donc les gars, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de passer sur mon Facebook qui est dans la description. Et si tu veux mon Skype, il est aussi dans la description. Donc les gars, je vous dis bye et à plus.